Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de gens dans la communauté musulmane souffrent de waswas, d'insufflations provenant de shaitan, le diable. Ces waswas sont multiples, ils prennent parfois la forme de doute, on entend souvent « je doute d'avoir mes ablutions ». Également, certains waswas font culpabiliser certaines personnes. Ils disent « j'ai des mauvaises pensées, serais-je châtié pour ces idées malsaines ?» Suite à un sondage sur la chaîne, j'ai réalisé que ce sujet intéressait beaucoup d'entre vous. Je vous propose donc d'en parler et de chercher un moyen de vaincre ces waswas. On en parle tout de suite après la petite intro. On a tous connu cette situation où l'on doute d'avoir conservé son état de pureté rituelle, les ablutions. Dans le fiqh islamique, il y a une règle tirée du Coran et de la Sunna qui nous indique que la certitude prévaut sur le doute. Cette grande règle implique que lorsqu'un individu doute sur un sujet, il doit rester sur la certitude qui est la base. Cela est valable dans tous les domaines de la religion. Par exemple, si tu doutes d'avoir perdu tes ablutions, il ne faut pas tenir compte de ce doute, sauf si tu as la certitude de les avoir rompues. Malheureusement, ces doutes sont parfois particulièrement intenses dans le quotidien d'un individu. Il s'agit là sans doute de waswas, car le diable cherche à rendre malheureux l'être humain et à le distraire de sa religion. Il peut également s'agir de maladies psychologiques comme les TOC, des troubles obsessionnels et compulsifs. Mais même si une personne est atteinte d'un trouble psychologique, il est évident que le diable va tenter de mettre de l'huile sur le feu en cherchant à semer encore plus de doutes dans la tête du croyant. Ainsi, les TOC peuvent être accompagnés de waswas, et la personne se sent impuissante et n'arrive pas à chasser ses doutes. Certains se plaignent aussi d'avoir des mauvaises pensées, des idées mauvaises, voire blasphématoires, et ils se demandent s'ils seront jugés sur ces pensées. Je réponds à ces gens que si ces pensées sont mêlées à votre religion, c'est que le diable tente de vous déstabiliser. Cela ne prouve pas que vous êtes un infidèle, mais il prouve au contraire que vous êtes sincère car vous avez le souci de chasser ces pensées. L'hypocrite, lui, ne craint nullement les mauvaises pensées sur la religion, sur l'existence d'Allah ou ce genre de choses, car il se contrefiche du jugement divin, il n'est pas véritablement croyant. On se rappelle, dans le sens du hadith, du propos du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, où il dit « Satan se présente à l'un de vous et dit « Qui a créé ceci et cela ?» Il ira jusqu'à dire « Qui a créé ton maître ?» S'il en arrive là, que l'on sollicite la protection d'Allah et s'arrête. Dans un autre hadith, il est rapporté aussi « Certes, Allah pardonne à ma communauté ce qui lui vient à l'esprit, aussi longtemps qu'elle ne l'aura pas exprimé ou mis en pratique. » Donc n'ayez crainte. Si vous n'agréez pas ces pensées, ces mauvaises pensées, elles ne vous causeront aucun préjudice. Sur des forums, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu certains témoignages de personnes qui se sont éloignées de l'islam à cause de leur waswas, et cela est une grave erreur. Cela ne fait qu'appuyer le fait que le diable est à l'œuvre dans ses waswas. Les TOC également touchent 2 à 3% de la population, et certains individus se voient contraints de se remémorer des mauvaises pensées pour mieux les chasser de leur esprit, tel un mécanisme de conjuration. Si vous êtes confronté à ces choses-là, sachez que la mauvaise pensée en question est justement une chose que vous n'agréez pas le moins du monde. Donc inutile de vous torturer l'esprit en vous demandant si vous êtes pécheur. Maintenant, voyons s'il est possible de vaincre ces waswas. Y a-t-il un remède particulier? En ce qui concerne le diable, Shaitan, il n'aura de cesse de nous combattre jusqu'à notre dernier souffle. C'est sa mission, il cherche à nous détourner par tous les moyens. De plus, certaines maladies psychologiques font partie intégrante de la psyché d'une personne. Il n'est donc pas rare d'entendre des témoignages de gens qui n'arrivent pas à se détacher de leur obsession pour telle ou telle pensée, et cela même après un très grand nombre d'années. Mais ne soyons pas pessimistes, car il y a toujours un moyen d'agir pour atténuer ces symptômes, voire même de les guérir. Tout d'abord, le croyant se doit d'être assidu dans sa pratique religieuse, d'être respectueux de ses devoirs, tels la prière quotidienne, le jeûne du mois de Ramadan, ou bien le repentir, la demande de pardon et aussi le fait de multiplier les invocations envers Allah. Allah dit dans le sens du verset « ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Le croyant peut également réciter Ayat al-Kursi ainsi que les trois dernières sourates du Coran, des sourates protectrices.
Parmi les conseils que je peux délivrer aux personnes atteintes de waswas, c'est de tenter de se changer les idées. Le savant Ibn Qayyim, rahimullah, a dit à ce sujet, « Sache que les pensées et les insufflations poussent l'homme à trop de réflexions, jusqu'à ce qu'elles s'enracinent et deviennent une habitude. Et les repousser dès le commencement est plus facile qu'après qu'elles se soient intensifiées et stabilisées. » Si vous êtes atteint de waswas, adonnez-vous à des activités qui vous occupent pleinement l'esprit, comme la lecture, l'apprentissage de votre spiritualité, le sport ou bien les sorties, notamment pour contempler la création d'Allah et méditer. Plus l'activité est intense, plus il sera aisé de vous concentrer et de chasser vos pensées anxieuses. Face à l'anxiété psychologique, ceux qui ne sont pas croyants ont tendance malheureusement à se tourner vers les drogues, l'alcool ou les antidépresseurs. Bien qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'interdiction quant à l'utilisation d'antidépresseurs, je pense, à mon humble avis, que le croyant devrait plutôt se tourner quant à lui vers la médecine prophétique. J'avais déjà mis en ligne sur la chaîne la vidéo de la recette de la talbina, qui est une préparation prophétique à base de farine d'orge, de lait et de miel. D'après Rouloa, Aïcha ordonnait la talbina pour le malade et pour la personne affligée d'un deuil récent. Elle rapporte qu'elle a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dire « La talbina réconforte le cœur du malade et dissipe un peu le chagrin ». Et en effet, des études scientifiques ont démontré les bienfaits de l'orge, élément principal de la talbina. Cela est paru dans de grandes revues de médecine. Parmi les études, il est démontré que l'orge est une source de tryptophane, un acide aminé à l'origine de la sérotonine. La sérotonine est une substance qui améliore l'humeur, c'est la cible principale des antidépresseurs. La talbina est utile pour les anxiétés passagères et constitue d'autre part un complément alimentaire intéressant lors des épisodes anxio-dépressifs gênant l'alimentation. Également, parmi les moyens de se soustraire du waswas, il est recommandé d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être actif, de travailler, de ne pas être oisif et désœuvré au quotidien. Le véritable croyant, il travaille aussi bien pour la vie de l'au-delà, qui est la priorité bien entendu, mais également pour sa vie d'ici-bas et pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais l'un des plus grands remèdes à ces maux réside dans l'acceptation de son destin. Croire au destin, bon ou mauvais, fait partie des piliers de la foi. Parfois, plus une personne va tenter de fuir ses waswas, plus ses waswas, ses pensées vont se manifester et envahir son esprit. Le croyant, même s'il n'agrée pas forcément la pensée en elle-même, il se doit d'accepter sa situation en se rappelant que tout ce qui lui arrive est prédestiné par Allah, et que cela peut même être une expiation pour ses péchés, comme l'indique un hadith. Le croyant n'est pas touché par une épine ou par quelque chose de plus grave sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et ne lui enlève un péché. Dernière petite astuce, tentez d'écrire vos waswas sur votre smartphone ou sur un petit carnet. Et relisez ce que vous avez écrit, vous vous rendrez vite compte de l'absurdité de ces pensées. Et cela vous aidera peut-être à extérioriser vos mots et à vous libérer un peu de l'emprise de ces pensées sur vous. Pour conclure cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, mais je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Alors si vous êtes atteint d'insufflation satanique, ou si certaines personnes se plaignent d'être possédées par un djinn, eh bien ayez recours au plus grand des remèdes, le Coran, la parole d'Allah. Tentez d'avoir recours notamment à la médecine prophétique, aux invocations légiférées, patientez, acceptez votre destin et rappelez-vous que tout ce qui touche le croyant est un bien pour lui. S'il lui arrive un bien et qu'il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente pour Allah, c'est également un bien pour lui. Allah sait mieux. J'espère en tout cas que cela vous aura été bénéfique, profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.